comment j'ai fait pour faire ce portrait hyper réaliste en seulement 4 heures, alors que ça m'a pris une dizaine d'heures pour faire celui-ci avec exactement le même résultat. Eh bien, la solution n'est pas plus compliquée qu'elle puisse paraître. Vous savez, chaque dessin que vous allez faire sera le résultat d'une technique appropriée et adaptée que vous avez mise en place. Et quand une personne peut faire un dessin en seulement 2 heures alors que vous, ça vous prend 10 ou 15 heures pour faire la même chose, alors demandez-vous qu'est-ce qu'il a fait et quel outil est-ce qu'il a utilisé pour réaliser ce dessin. Ça me rappelle en fait que quand j'étais en école d'art, j'avais un pote qui lui s'appelait Dorian d'ailleurs, qui était toujours beaucoup plus rapide que moi dans tous les cours. D'ailleurs, c'était même le plus rapide dans toute la classe. Et il n'était pas seulement plus rapide en terminant un dessin 30 minutes avant moi, mais il pouvait le terminer, je dirais même 2 ou 3 heures avant moi pour une qualité qui était même supérieure à ce que je faisais. Et j'ai jamais compris comment est-ce qu'il faisait pour être aussi rapide, même jusqu'à maintenant. Mais avec le recul, je me rends compte que la technique que vous allez utiliser joue un rôle important dans la rapidité du dessin. Et en comprenant ça, vous allez pouvoir dès aujourd'hui réaliser un dessin en 2 heures si vous passiez 5 heures avant. Vous allez faire un dessin beaucoup plus rapidement sans perdre en qualité et parfois même améliorer la qualité avec la pratique et le temps. Parce que finalement, est-ce que ce portrait-là de la vieille dame n'est pas mieux que celui-ci alors que je l'ai fait en beaucoup moins de temps? La qualité est meilleure, les textures sont meilleures, mieux maîtrisées et pourtant j'y ai passé et vous passerez moins de temps sur vos prochains dessins. Tout ça, vous allez pouvoir le faire grâce à un outil et cet outil c'est le fusain. Alors, je ne me permettrai pas de dire que c'est un outil magique, mais imaginez que vous n'ayez pas beaucoup de temps dans la journée pour dessiner. Vous savez, vous avez le travail, vous devez vous occuper de votre appartement ou de votre maison, de votre famille si vous en avez une, de prendre du temps pour vous reposer un peu. Bref, vous n'avez pas beaucoup de temps pour dessiner. Vous êtes devant votre feuille et vous avez une soirée de libre. Enfin, une soirée de libre pour le faire. Et il va vous falloir bien plus qu'une soirée pour terminer un dessin que vous allez justement commencer. Et la prochaine soirée, c'est dans une semaine. Imaginez un peu. Déjà, vous sentez la frustration de ne pas pouvoir terminer ce dessin en quelques heures. Eh bien, voici un petit matériel qui vous permet de faire un dessin de qualité et en plus très rapidement. À partir de là, vous vous sentez déjà plus apaisé et bien plus motivé à dessiner. Et je sais de quoi je parle, puisque c'est un sentiment qui m'arrive souvent quand je sais que je vais devoir passer 2 ou 3 semaines sur un dessin alors que j'aimerais le faire en 2 jours, maximum 2 voire 3 jours. Parfois, c'est désespérant, mais je vous offre là une manière de pouvoir résoudre ce problème. Pourtant, le processus ressemble à peu près à celui d'un dessin au crayon, mais à une différence près. Au lieu de travailler avec les traits comme on peut le faire au dessin, avec le fusain, on va travailler dans la masse. Et c'est l'un des nombreux secrets de la rapidité, justement, de cette technique de dessin. Alors, dès maintenant, je vous présente l'outil qui fera terminer vos dessins en un temps record. Et je vais vous apprendre la technique du fusain et la méthodologie complète pour vous permettre de dessiner beaucoup plus rapidement avec la même qualité que si vous dessinez avec un crayon. Et pour vous aider, j'ai rassemblé toutes mes connaissances dans un seul et unique programme. J'apprends à dessiner au fusain. Que vous ayez du temps à ne plus savoir quoi en faire, si vous préparez un dossier pour un dossier de dessin pour une école d'art par exemple, ou si vous avez des journées trop chargées et que vous n'avez pas assez de temps, ce programme est parfait pour dessiner rapidement et efficacement. Alors, comment est-ce que j'ai réparti le programme « J'apprends à dessiner au fusain » ? Vous allez vous retrouver, vous allez avoir 4 modules. Dans le module 1, je vous donne les meilleurs outils pour faire un dessin au fusain. Vous allez pouvoir adapter les différentes techniques et méthodes juste avec ces outils-là. Que ce soit pour le dessin de cette femme qui sourit ou pour le portrait hyper réaliste de cette vieille dame, la technique n'est pas la même. Les résultats sont différents, mais pourtant, j'ai utilisé les mêmes matériaux. Dans le module 2,
vous allez, on va revenir sur les bases du dessin. On a beau apprendre le fusain, la construction reste toujours la base d'une composition et d'un dessin réussi. On va étudier les bases du dessin d'après une simple nature morte où je vous expliquerai les concepts pour réussir à réaliser un dessin au trait qui soit bien construit, bien proportionné et qui finira par devenir un beau dessin. Dans le troisième module, je vais vous donner là les étapes, le processus et toutes les astuces pour réussir tous vos dessins au fusain. Quel type de fusain utiliser, le travail de superposition, comment voir les valeurs, comment poser le fusain, comment créer les valeurs avec le fusain, comment estomper. Je vous explique comment le fait de travailler lentement va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement, même si ça paraît paradoxal. Comment globaliser les valeurs, comment créer des tons clairs et des tons foncés, comment faire les textures et les détails, comment flouter une partie du dessin et toutes les astuces pour obtenir ce résultat réaliste. Et pour finir, dans le quatrième module, eh bien, on va rassembler toutes les connaissances que je vous ai données pour faire une étude de portrait et on va étudier le portrait de cette vieille dame qui apparaît sur le packaging de la formation. À la fin de la formation, vous serez capable de faire un dessin réaliste en l'espace de seulement quelques heures et même d'une soirée. Et ce n'est pas fini, puisque j'ajouterai un bonus à la formation. Et vous savez quoi? J'ajouterai le bonus en fonction des commentaires et des retours que vous me ferez sur la formation. Ce bonus sera celui que vous aurez choisi, celui que vous me demanderez. Vous aurez aussi droit, en plus de ce bonus, à un suivi personnel par mail. Je réponds personnellement à tous les mails qu'on m'envoie pour vous aider à faire progresser vos dessins. Les vidéos sont disponibles à vie et vous allez avoir droit à toutes les mises à jour que je ferai avec de nouvelles vidéos, de nouvelles explications, des exercices que vous allez mettre en place à chaque fin de vidéo et que je vous donne et des exercices qui sont aussi adaptés à vos propres besoins pour vos propres progrès. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous avez une garantie de 3 mois. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait de la formation, envoyez-moi une email et je vous rembourse sans problème. Et concrètement, combien va coûter cette formation? Eh bien, j'ai décidé de vous faire une offre promotionnelle de seulement quelques jours pour le lancement et parce que la formation n'est pas encore totalement terminée. Le portrait de la vieille dame qu'on va étudier dans la formation, là, je l'ai terminé hier. Donc, je dois encore travailler sur ce module, faire les textes, préparer les vidéos, etc. Et une fois qu'elle sera terminée, le prix augmentera. Donc, je vous offre là la possibilité d'apprendre à dessiner au fusain et d'apprendre à dessiner beaucoup plus rapidement pour une somme vraiment dérisoire puisque j'ai calculé, c'est l'équivalent d'à peu près un café pendant 30 jours ou même de 4 pizzas au prix de la formation, 47€ au lieu de 97. Et pour cette somme, vous allez avoir droit, comme je vous l'ai dit juste avant, à l'ensemble des outils que vous devez utiliser pour créer un dessin très réaliste, les bases du dessin, le dessin, les bases du dessin au fusain et une étude complète d'un portrait hyper réaliste qu'on fera ensemble. Mais en plus, vous allez avoir droit à un bonus que je mettrai en fonction des retours que vous me ferez. Les vidéos sont disponibles à vie avec toutes les mises à jour qui seront faites. En plus de ça, vous avez la possibilité que je vous suive par mail, que je regarde vos dessins et que je vous donne des exercices qui sont adaptés à vos besoins. Pour vous offrir la formation avec une offre et une réduction pendant ces quelques jours-là qui vont suivre, je vous mets le lien de la formation juste en dessous de la vidéo. Cliquez sur le lien et vous aurez accès au programme « J'apprends à dessiner au fusain » avec cette réduction, une réduction de 50%. Je vous mets la formation à disposition pour faire de vous de meilleurs dessinateurs. Et pour ça, vous avez 3 options maintenant. La première consiste à ne rien faire. Si vous pensez que YouTube vous convient parfaitement pour progresser en dessin et ne rien faire de plus, eh bien, je comprends, c'est votre choix et je le respecte. La seconde option consiste à vous former seul. J'ai rien contre, mais le gros inconvénient, c'est que vous ne savez même pas comment corriger vos propres erreurs. Vous ne savez pas quelles sont les bonnes et les mauvaises informations
ou même quels exercices mettre en place pour progresser en fait. Et encore, quelles sont les techniques les plus efficaces? Rien ne s'apprend au hasard et le dessin, ce n'est pas du hasard, mais bien une somme de traits qui se relient les uns aux autres grâce à une méthodologie qui est bien précise. Ou alors, vous avez la troisième option, la troisième solution qui consiste à vous former, à suivre un système pratique, simple et qui prend le moins de temps. En à peine une semaine, vous allez commencer à faire des dessins à une vitesse qui va vous impressionner. Puisque je vous donne là la méthodologie à appliquer pour réaliser un dessin très réaliste rapidement. Et vous allez avoir mon aide par mail si vous avez des questions. Vous allez avoir un plan concret et efficace qui vous donne de vrais résultats. Si vous manquez de temps, si vous avez trop de temps ou quoi que ce soit, tant que vous aimez faire un dessin rapidement, vous êtes au bon endroit. Mais ne tardez pas parce que l'offre est disponible seulement quelques jours. Si vous souhaitez apprendre une nouvelle technique et faire progresser vos dessins, faire de vos dessins des chefs-d'œuvre, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Ciao.